à 2 mois du 4e sommet à Ouagadougou, Angers prochain sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les experts ivoiriens et burkinabés ensemble pour l'adoption de l'avant-projet d'ordre du jour de ce Conseil des ministres conjoint. Également au programme de la présente rencontre, l'établissement des projets d'accord et l'évaluation des décisions du 3e sommet tenu Angers dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. À la tête des deux délégations pour procéder à l'ouverture des travaux, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés, Daniel Kablan-Duncan et Adolphe Thiaw, réaffirment l'engagement de leurs deux pays à poursuivre leur coopération, encouragée par les acquis du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Augmentation du volume des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, croissance économique et grands travaux pour le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés, par exemple. Vous avez décidé de porter votre aide énergétique qui passera de 70 MW à 80 MW pour le Burkina Faso. Nous avons beaucoup souffert, Excellence, ces dernières semaines avec des délestages dus effectivement à une pointe très élevée de la consommation énergétique. Et ce que vous venez d'annoncer montre à quel point vous êtes solidaire du Burkina Faso. Soyez-en remerciés. Pour la coopération en matière d'énergie électrique, nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent. C'est une première annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis, si c'est nécessaire, monter davantage, de manière à ce que, comme il y a l'investissement qui se développe aussi au Faso, nous puissions faire en sorte que les industries et les ménages puissent avoir de l'électricité. C'est aux environs de 8 heures ce jeudi que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Ouagadougou. Accompagné de 6 membres de son gouvernement, il va, en marge de cette réunion préparatoire, échanger avec les autorités burkinabées au plus haut sommet. Aussi prévu à son agenda, des visites et inaugurations d'infrastructures.